sur les plasticines. J'ai lancé la factory sur Sciences Po TV. Hey, what's up, Sciences Po TV? This is Vashti. Bienvenue dans la factory de Sciences Po TV. Yo, what's up, man? It's the Alpha London taking over this motherfucking mic. Osez Sciences Po TV. Paris est magnifique. Anne Hidalgo vous invite à lancer cette télé sur Paris. Pour quelle télé? Sciences Po TV. Ah ouais? Sciences Po TV. Sciences Po TV. Salut la factory. Salut la factory. Bonsoir la factory Sciences Po TV. Bonsoir la factory de Sciences Po TV. Je suis très curieux de cette factory. Qu'est-ce que vous factorisez? Formation, pardon, du coup c'est le cours Florent, donc du théâtre, une école de maquillage aussi, et le blog, qui est arrivé quasiment tout de suite après. Puis en fait il y a eu Sciences Po aussi, non c'est pas vrai. Donc bonsoir, juste quelques questions, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà rencontré des stars dans, par ici, dans ce magasin-là? De mémoire, Gérard Depardieu, Inès de la Frégeance. Une femme, mais bon, je ne sais pas. De quel style? Tenez le style de Mademoiselle, par exemple. Le style de Mademoiselle, quel joli compliment! Et ça évoque quoi cette petite couronne de fleurs? Je sais pas, c'est la naissance du monde et... Voilà. L'origine du monde de Courbet? Ah bah... C'est pas des fleurs qu'il y a dessus, mais bon, voilà, au-dessus de la pilosité, on est auréolé de quelque chose. Qui fait pas très beau aujourd'hui et qu'on avait envie d'un peu de couleur et un peu le côté romantique, voilà, qui met du baume au cœur. J'ai choisi cette couleur parce que justement, il y a de la couleur et c'est pas rose. T'aimes pas le rose? Si, j'aime le rose, mais c'est un peu cliché comme couleur de fille. Comment t'as réussi à rentrer à l'espace VIP? Écoutez un coup à droite à gauche avec le portier et hop. Non, je rigole. Combien de verres de champagne as-tu bu? Ouh là là, c'est une très bonne question. 6 ou 7? Première. C'est la première? Première. Et alors juste une question, est-ce que ta veste là elle passe en machine? je sais pas, je les emmène au pressing, il faut leur demander. Votre chapeau melon, c'est un remake de Charlie Chaplin ou... Là on veut me tuer là. C'est ça? Peut-être, ça c'est un secret. Est-ce que t'as déjà entendu parler des soirées à Sciences Po, notamment de la Cash and Trash? Ouais! Et figurez-vous que j'ai vraiment envie d'y aller. Mais je sais pas, parce que déjà que j'hésite à m'incruster un cours en amphi, je me dis... C'est la troisième fois que je fais la Fashion Night Out. Et qu'est-ce qui se passe en fait là? C'est un défilé happening? Ouais voilà, c'est un espèce de défilé sauvage, donc on a de la musique, on a un podium, t'as Caro qui t'appelle, oui, on a un podium et les filles bah, présentent les robes. Est-ce que je peux vous demander si vous vous habillez couture ce soir? Alors ce soir je suis en apostrophe, voilà, intégralement apostrophe. J'aime beaucoup les créateurs et les créatrices françaises. J'aime beaucoup bien sûr Sonia Riquel, Agnès B, que j'utilise souvent, apostrophe. Voilà, ce sont des marques que j'aime bien promouvoir. Je me sens un devoir de représentation quand même de nos créateurs français. Une future maire de Paris, du moins on vous le souhaite, merci. Doit être élégante alors? Oui, je pense qu'on doit être à l'image de la ville. Vous savez, les Parisiennes, elles aiment bien se faire leur propre style et leur propre mode. Elles sont très créatrices. Je pense que les Parisiennes inspirent aussi les créateurs. Je suis lutté en folie. Osez Sciences Po TV. Factory Sciences Po! C'est Chloé pour Sciences Po TV. Salut la Factory! Comment définiriez-vous votre style? Streetwear. Streetwear? Casual.
et confortable. Je m'appelle Olivier Zahm et je dirige un magazine de mode à Paris qui s'appelle et à New York qui s'appelle Purple et je suis aussi photographe. L'idée c'est de faire des portraits de... C'est beaucoup mieux sans pantalon. L'idée c'est de faire des portraits de gens comme ça très, très spontanément. Qu'est-ce que tu fais ici en fait? J'adore la mode. C'est vrai? Ouais, j'adore la mode et donc pour moi c'est naturel de venir là. Je chine beaucoup. Ouais. Et Clara? Et Clara, malheureusement, elle est malade. Oh non! Voilà, sinon elle serait venue aussi. Comment vous concevez l'art du maquillage? Comment je conçois l'art du maquillage? Bonsoir à la Factory! To pronounce de Sciences Po. De Sciences Po. Yes. Okay. Okay. Can stop? Okay. Oh my god. Totally not ready. Okay, let's go. Win. One, two, three. Hi, like the three designs.